Parle-nous. Parle-nous. Touche notre sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous accorde la grâce de nous retrouver dans sa maison. Y a-t-il des gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie cette semaine? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer les Seigneurs pour cela? Il est vivant. Oh Alléluia, Alléluia, quelle grâce d'être debout ce matin et quelle grâce d'être dans la maison de Dieu. Amen. Nous voulons continuer avec uh, la pensée que nous avons développée les dimanches passés. Nous parlons de l'église de Jérusalem et notre texte de base se trouve dans Actes chapitre 2 verset 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Plusieurs éléments caractérisent l'Église de Jérusalem. Nous avons parlé des membres les membres qui étaient essentiellement des juifs. Nous avons dit des juifs qui habitaient Jérusalem, ils sont nés à Jérusalem, ils ont grandi à Jérusalem, mais aussi des juifs de la diaspora. Ceux qui habitaient en dehors de la Palestine, même en dehors de la Judée, étaient des membres de cette, de cette église. Les uns, donc ceux de Jérusalem parlaient l'araméen, hein, ce, ce sont les hébreux, ils parlent l'araméen. Hein, de la diaspora parlent les Grecs, ils utilisent une autre version, d'ailleurs, la version grecque, qu'on appelle la version des Septante. Ils sont différents par rapport à leur culture, mais ils sont dans l'Église, puisque dans l'Église, on peut trouver toutes sortes de cultures, toutes sortes de races, mais tous nous sommes unis en Jésus-Christ. Amen. Intéressant. Nous avons ajouté en disant que ce sont des gens qui se sont tournés vers Jésus, ils ont reçu la parole, ils se sont convertis convertis. Ils se sont tournés vers les seigneurs alors qu'ils ont écouté Pierre euh, leur parler de Jésus. La Bible dit qu'ils avaient les cœurs vivement touchés au point de poser la question à Pierre, Homme frère, que ferons-nous Que ferons-nous Les gens qui ont reçu Jésus, qui se sont tournés vers lui. Et c'est intéressant aussi que chacun se rende compte qu'il a déjà donné son cœur à Jésus, qu'il s'est déjà séparé de sa vie passée. Et qu'il s'est complètement livré à Dieu. On doit avoir donc un cœur ouvert à la parole. Un cœur qui a déjà reçu Jésus. Troisième élément caractéristique, ce sont des gens qui ont été baptisés. Ils ont reçu les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau. Pour s'identifier en Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Pour témoigner publiquement qu'ils ont quitté le monde et qu'ils ont n'est-ce pas, qui se sont livrés complètement à Jésus. Ils reçoivent les baptêmes. C'est aussi intéressant que chacun reçoive les baptêmes ou se rende compte qu'il a déjà reçu les baptêmes. Un autre élément qui caractérise ces gens, c'est qu'ils ont été ajoutés dans l'Église. Ils vivaient dans la communauté locale et la communauté de Jérusalem. Ils sont là. Ils sont là. Ils vivent en Église. L'Église, c'est la communauté. De croyants, des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus et qui se retrouvent quelque part pour louer Dieu, pour l'adorer et pour s'édifier mutuellement. Ils sont là, c'est pour dire que l'Église est importante dans la vie de tout enfant de Dieu. On ne peut pas se plaire à rester seul à la maison. Non, c'est vraiment la volonté de Dieu que chaque croyant se joigne ou s'identifie à une communauté locale, à une Église. C'est une étape nécessaire, comme nous l'avons dit, au développement spirituel. L'Église, c'est les cadres que Dieu a choisis pour votre croissance, pour ma croissance. C'est les cadres que Dieu a choisis pour votre bénédiction, pour ma bénédiction. C'est les cadres que Dieu a choisis pour que votre portion des missions s'accomplisse. Vous avez une portion des missions. Elle ne peut s'accomplir en dehors de l'Église. En vivant dans l'Église, que vous pouvez accomplir votre portion des missions. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Vous avez un rôle à jouer dans cette banque, un rôle à jouer dans l'église. C'est en vivant dans l'église que ce rôle peut être bien joué. L'église locale, c'est en tout cas les cadres que Dieu a choisi pour l'équipement de croyants en vue du ministère. Dieu nous équipe pour bien jouer mon rôle, pour bien accomplir ma portion des missions, je dois être équipé. Et la Bible soutient que Dieu a établi ses serviteurs pour le perfectionnement des saints, pour les préparer à jouer leur rôle pour les préparer à bien servir Dieu, pour les préparer à accomplir leur portion des missions. On voit que même les croyants, même les, les serviteurs, les hommes que Dieu a établis dans l'Église ont eu une grande responsabilité. Ils doivent nous préparer, nous équiper. On voit que cette Église a des bons serviteurs, des gens qui se sont attachés à la parole. Nous avons relevé les textes de Matthieu 28, là où Jésus s'adresse aux apôtres. Il leur dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et les apôtres ont gagné les âmes, n'est-ce pas Les apôtres ont baptisé ceux qui sont tournés vers Jésus. Et les apôtres, une, une autre caractéristique de l'Église, c'est qu'ils sont attachés aux enseignements. Les apôtres enseignent. Enseignent. En tout cas, nous avons besoin d'avoir des enseignants, d'avoir des serviteurs, des bacchanides, des qualités ou d'être Mokabi des qualités, obéissant à la parole du Maître et suivant les traces du Maître, accomplissant fidèlement la mission du Maître. Amen. Amen. Très important. Très important. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Nous avons longuement parlé de cet élément, que c'est important que nous puissions nous attacher à l'enseignement. C'est vrai, on peut nous prêcher, oui, mais nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin que l'on nous apprenne, n'est-ce pas, les éléments essentiels de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, les éléments essentiels du service chrétien. Nous avons besoin qu'on nous instruise dans toute la parole de Dieu. C'est important, mes frères. Et lorsqu'on est membre de l'Église, on doit s'attacher à l'Église, attacher aux enseignements. Il y a même des, des modules d'enseignement qui sont dans, dans les églises. Même chez nous, c'est important de suivre ces modules d'enseignement. Des modules, module 1. Module, je pense que nous sommes jusque-là au module 3. C'est important qu'on se rassure que j'ai déjà suivi les modules 1. Depuis que je suis ici, le modules 1 d'enseignement, je l'ai déjà suivi. Les modules 2, je l'ai déjà suivi. Les modules 3, je l'ai déjà suivi. Peu importe votre niveau spirituel. Mais moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. On m'a baptisé tout petit. Je ne connaissais pas encore les seigneurs. Ça, nous avons dit que ce n'est pas un vrai baptême. Ce n'est même pas un baptême. On vous a juste lavé. Juste une cérémonie. Parce que dans certaines églises, on vous baptise tout petit pour que vous soyez compté comme membre de l'église. Mais est-ce que les seigneurs vous connaissent? En tout cas, selon les seigneurs, les baptêmes, c'est après que l'on ait reçu Jésus, n'est-ce pas? Pas tout petit, on ne connaît encore rien, on est conscient de rien, on reçoit le baptême. C'est un soi-disant baptême. Ce n'est pas un baptême. Est-ce que vous me suivez Les apôtres sont soumis au maître et ses frères, ses premiers membres de l'Église, sont là dans l'Église, dans l'Église, attachés aux enseignements. Il y a des modules qui se donnent, suivons les. Il y a des études bibliques. Soyons là. Et notre vie va changer. Amen. Et notre élément qui caractérise cette église, c'est qu'il persévérer dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle est considérée comme l'un des moyens de grâce. Un des moyens de grâce. Il y en a plusieurs. Mais la communion fraternelle est l'un des moyens des grâces. Les moyens des grâces sont des activités que Dieu utilise au sein de la communion de l'Église pour donner davantage de grâces aux chrétiens. Des moyens des grâces. La prédication est un moyen des grâces. Par la prédication, Dieu bénit son peuple, Dieu bénit l'Église, Dieu bénit ses enfants, et la communion fraternelle. Est aussi l'un des moyens de grâce. Les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Au français courant dit ils s'appliquaient fidèlement à vivre dans la communion fraternelle. Ils s'appliquaient ils fournissaient beaucoup d'efforts. C'était un principe de vie. La communion, vivre dans la communion fraternelle. Ils s'attachaient à vivre en communion les uns avec les autres, dit une autre version. Il s'attachait à vivre, à vivre en communion. Parole de vie dit, il vivait comme des frères et des sœurs. Comme des frères. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais parce que nous sommes unis en Christ, eh bien, nous sommes des frères et des sœurs. Je n'ai pas de ma tribu, je ne suis pas de ta tribu, mais comme nous sommes unis en Christ, nous sommes des frères. Tu viens de Jérusalem, moi je viens de la diaspora, mais nous sommes des frères, ils vivaient comme des frères et des sœurs. Bref, ils se considéraient comme des membres d'une même famille. Mes frères, l'église est une famille. Est-ce que vous le croyez? Une famille, l'église, une famille. Dans cette famille, chacun a sa place. Vous avez votre place au sein de l'église. Vous avez votre place. Dans cette famille, chacun a un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer dans la famille des dieux. Une famille, une famille, l'Église. Lorsqu'on est dans l'Église, surtout lorsque on vit dans la communion fraternelle, comme on en parle aujourd'hui, on se connaît, on se visite, on se parle. En tout cas, on se sent entouré de l'amour des autres et on est heureux. Si bien qu'en tout cas, n'est pas venir à l'église les dimanches pour ceux qui sont déjà intégrés dans l'église. C'est un grand problème. C'est un vide. J'ai été empêché. C'était difficile que je sois à l'église. Je n'étais pas les dimanches occultes. Il y a un vide. Vous sentez un vide. Et, et cela vous pousse toujours à tout faire pour être à l'église. Si au cours de la semaine, vous avez été empêché par le travail et d'autres occupations qui vous ont pris tout votre temps, vous étiez en déplacement, lorsque vous rentrez, ça doit brûler en vous. La communion des autres. Il faut que je voie les pasteurs, il faut que je voie ma soeur, il faut que je voie mon frère. Il faut que j'aille à l'église. Il faut, il faut, il faut, il faut que je sois au département. Il faut. On sent, il y a un feu qui brûle dans les cœurs. On le sent. Parce que l'église est une famille. On est membre d'une même famille. Et l'église est une communion d'amour entre chrétiens, une communion d'amour. On sème et cet amour, au en fait, c'est l'esprit qui les déverse en nous. Lorsque je me donne complètement au Seigneur, c'est lui-même qui déverse en moi de l'amour. L'amour pour mon frère, l'amour pour ma soeur. Même si c'est ma première fois de les voir, de la voir, mais je sens en moi un amour. Il y a un lien fort qui m'unit à lui, qui m'unit à elle, parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi Et donc, les premiers chrétiens vivent en communion. Et ils grandissent dans les relations interpersonnelles. Ils sont bien les uns avec les autres. La qualité même de cette communion ou de nos relations les uns avec les autres détermine si oui ou non nous avons atteint la maturité. Ah oui mes frères, la qualité des relations que nous développons entre nous. La communion fraternelle, les relations interpersonnelles qui se développent manifestent la maturité, la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Ils ont grandi donc dans les relations interpersonnelles. Ils ont, j'ai dit que l'Église est une communion d'amour entre chrétiens. Communion d'amour. Communion d'amour. Et lorsqu'on parle de communion, la communion donne l'idée d'association, de participation, de mise en commun. Association, participation, mise en commun. Échange de relations. Vous voyez La communion, donc l'idée d'échange de relations. Échange de relations. Donc l'idée de communication. Communion, communication, échange, échange de relations. Et un homme qui a écrit sur euh, pourquoi l'Église, Alfred Quen, met un accent particulier sur la communion fraternelle. Pour lui, la communion fraternelle se nourrit d'échanges. 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 Il a raison, puisque j'ai dit que la communion donne l'idée d'échange de relations. Échange de relations. Et la communion fraternelle se nourrit d'échanges. Ces échanges, selon lui, ont lieu sur deux plans. Celui de la communication orale et celui de l'aide matérielle. Sur deux plans. Parlons du premier plan, la communication orale. Ici, il y a l'idée de se parler et de se voir. On se parle, on se voit. C'est parler, mes frères, on ne peut se connaître, on ne peut se comprendre et l'on ne peut s'aimer sans se parler. D'ailleurs, on ne peut être heureux seul. Non. Vous pouvez avoir tous les biens du monde. Tous les biens du monde. Mais on vous isole quelque part, très loin seul pendant longtemps, vous allez mourir. À un moment donné de l'histoire de l'Église, il y a des gens qu'on a appelés des, des ascètes, des anachorètes, des gens qui pensaient que pour plaire à Dieu, pour avoir une vie pieuse, une vie qui donne davantage gloire à Dieu, il faut s'isoler, il faut vivre seul, loin de la communauté. Je vis seul et je m'impose toutes sortes D'abstinence où je me donne de la souffrance, je m'expose à la pluie, au soleil, je dors dans les arbres pour plaire à Dieu. <laughs> Mes frères, Jésus a déjà tout accompli pour que votre vie plaise à Dieu. Donnez-vous complètement à Jésus et votre vie va donner gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi Mais ici, ces gens s'isolent. On pense qu'en s'isolant, on sera heureux, qu'on sera beaucoup plus proche de Dieu. Mes frères, le péché est dans le cœur. Même si vous êtes seul, vous pouvez toujours pécher même seul. Mais tous ces gens se sont isolés, n'ont pas vécu longtemps. Parce que la vie n'est vie que lorsqu'on est en communion, en relation les uns avec les autres. Et Dieu a raison. La vie communautaire est importante. La vie des familles est importante. La vie de l'Église est importante. Ils s'isolent. Mais mes frères, ils ont souffert de la solitude. Et finalement, ils sont morts. Trop jeunes même, ils sont morts. C'est important que nous vivions ensemble, que nous puissions nous parler. J'ai dit qu'on ne peut se connaître, on ne peut se comprendre, on ne peut s'aimer sans se parler. On doit donc se parler, avoir des entretiens fraternels avant, après et même en dehors de nos réunions de prière. Oui, avant, on se voit, on se parle, pendant... On se voit, on se parle, Et même après, il y en a qui, après un culte comme ça, rentrent sans saluer les, les autres. Sans s'occuper des autres. Et on rentre. Là, mes frères, au fait, on se prive d'une grande bénédiction et on prive les autres aussi d'une bénédiction. Vous pouvez être un canal de bénédiction pour les autres. Juste un sourire peut changer la vie de quelqu'un. Un sourire. Une salutation, quelqu'un qui ne se sent pas aimé, mais qui vient à l'église, on le salue, on lui sourit, et puis il se rend compte ici en même. Il peut même aussi s'attacher à l'église, il dit ici en on, on même. Est-ce que vous êtes avec moi En même. Vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Le contact les uns avec les autres, n'est-ce pas, nous aide dans notre marche chrétienne. Donc on se voit avant, on se parle avant, on se, parle pendant, on se parle après même en dehors de nos réunions de prière. Et la communion fraternelle ne doit pas se limiter à l'assistance commune au culte. Comme on est là, on est ensemble, on se voit, non. Parfois on est dans une même église, on se voit, mais on ne se parle pas, on ne se salue même pas, je, je l'ai dit. Afin de quoi on dit ceci, les frères qui étaient assis à côté de moi au culte passent peut-être par une épreuve. Est-ce que vous les savez Peut-être que vous ne les savez pas passe peut-être par une épreuve il est devant un problème insoluble il a besoin d'aide de conseils il se sent isolé incapable d'affronter seul l'opposition des siens l'hostilité de ses collègues les difficultés matérielles qui l'assaillent il a besoin de soutien de compréhension d'un peu d'intérêt nest pas lui adresser la parole c'est nier la fraternité que nous affirmons. C'est nier, nier la fraternité. Nier. C'est dire on est ensemble. Mais on ne parle pas à l'autre. On ne s'intéresse pas aux autres. C'est mauvais. La communication orale peut renforcer. Peut se renforcer lorsque nous avons l'habitude non pas seulement de nous parler, mais de, de, de nous voir, de nous voir. Dans Jean 1, 37 à 39, on parle des deux disciples de Jean qui, qui ont suivi Jésus. Au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, Que cherchez-vous Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu <laughs> Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Amen. Venez. Où demeures-tu Où Où Et ses disciples suivent Jésus. Où demeures-tu Donc, on ne doit pas s'arrêter au niveau de se parler, mais on peut se visiter. On peut se fréquenter. On peut se faire du bien en se visitant. Est-ce que vous êtes avec moi Amen. Intéressant. Surtout, mes frères, lorsqu'il y a un nouveau qui arrive à l'église, nous devons l'identifier. Aller vers lui, parler avec lui, prier avec lui. Intéressant. Les visiter même chez lui. Il y en a qui se sont attachés à l'église, simplement parce qu'on les a visités. Il vient à l'église, on ne le connaît pas, mais les gens lui parlent. Les gens les saluent et les gens les visitent chez lui. Et ils s'attachent à l'église parce qu'ils sentent de l'amour. Ils sentent de l'amour. Pas seulement c'est parler, mais aussi c'est visiter. Pas seulement attendre qu'on vienne me visiter, mais visiter aussi les autres. Si vous voulez que l'on vous visite et que personne ne vient, vous levez-vous. Soyez les premiers à visiter les autres. Est-ce que vous êtes avec moi Quand quelqu'un me dit je ne viens plus parce qu'on ne me visite plus, je lui pose la question vous, est-ce que vous visitez les autres Qui avez-vous visité À qui avez-vous fait du bien à qui avez-vous parlé? Moi, on ne me parle pas. Mais à qui avez-vous parlé? Pas seulement s'attendre qu'on me parle, mais je peux parler aux autres. Pas seulement m'attendre que les gens viennent vers moi, mais je peux aller aussi vers eux. Pas seulement attendre que les gens me visitent, mais je peux aussi les visiter. On se visite. Quelqu'un a un problème, a une difficulté. On les visite. Il est éprouvé. On les visite. On est avec lui. Il sent que c'est la famille. Mes frères, ça fait du bien. Je vous ai dit ici que lorsque j'ai perdu mon petit frère, je me sentais, en tout cas ces jours-là, je suis resté à la maison. D'abord, lorsqu'il était malade, je me sentais, à, à un moment donné, tellement qu'on s'est battu. On était, en dans le désespoir. Mais je vis son pasteur venir et ses collaborateurs prier pour mon frère qui priait chez eux. C'était un réconfort. Et réconfort. Il part, son pasteur vient me voir. On se parle et réconfort. C'est vrai qu'il y a eu des amis qui étaient là. Mais de manière particulière par rapport surtout à l'Église de mon frère, ils étaient là. L'Église doit demeurer une famille. On se parle, on se visite, on se soutient. Est-ce que vous êtes avec moi Communication orale dans le sens de se parler, dans le sens de se voir, mais aussi entraide mutuelle. On doit s'entraider. La communion fraternelle, c'est aussi s'entraider. L'aide réciproque, l'aide matérielle réciproque, réciproque. Les frères qui à côté de moi peuvent avoir un problème, n'attendons pas que le ciel, disons que Dieu descende pour l'aider. Nous le savons que Dieu bénit par nous, n'est-ce pas vrai? Dieu bénit par moi. Dieu bénit par vous. Vous pouvez être en même d'aider les frères, mais vous lui dites que Dieu vous bénisse. Non, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Dieu bénit par toi. Dieu bénit par moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, dans certains milieux, certains autres milieux, lorsque l'on se rend compte que quelqu'un a un ministère, les hommes de Dieu vont se réunir et lui donner tous les moyens nécessaires pour qu'il commence. Et nous reconnaissons que Dieu appelé. Nous reconnaissons que tu as quelque chose de Dieu et nous te soutenons. Voilà ce que moi je t'apporte. Voilà ce que moi je te donne. On le propulse. Mais dans certains autres, non. Ça ne se fait pas. Tu dois te battre seul. Te battre. Oui, Dieu va m'aider, mais Dieu aide aussi par les hommes. Dieu bénit par les hommes, par vous et par moi. Amen l'entraide mutuelle. Il y a plusieurs textes qui peuvent justifier l'entraide mutuelle, même la communion fraternelle de manière générale. Hébreu 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Veillons les uns sur les autres. On veille pour nous exciter à la charité. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire les biens. Ça, c'est dans le cadre de la vie communautaire. On s'aide, on prend soin les uns des autres. On s'aime, on se fait du bien. On prend soin de l'autre. Mais l'autre aussi peut avoir l'occasion de prendre soin de moi. Galates 6, 2. Porter les fardeaux. Les uns des autres. Galates 6, 2. Portez les fardeaux, les uns des autres. Je porte tes fardeaux, tu portes le mien, tu pries pour moi, tu médifies, tu me conseilles, tu m'aides. Il y a toutes sortes de fardeaux, des craintes. Des crises de toutes sortes, des manques, on manque d'argent, on a des sérieux problèmes. On peut prier pour l'autre, on peut le soutenir financièrement, on peut le soutenir en étant avec lui, mais par des conseils. Portez les fardeaux les uns les autres. qu'on a dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, aidez-vous, vous obéirez ainsi à la loi du Christ, à la loi du Christ. Amen. La communion fraternelle est importante. À nous de la développer, de développer la vie communautaire, d'entretenir de bonnes relations les uns avec les autres. À nous d'apprendre à nous parler, à nous voir, à nous entraider, à nous entraider. Mais il y a quelques principes que nous pouvons ajouter. Ah, C'est là pour que la vie communautaire soit agréable, puisque nous sommes des hommes ayant des arrière-plans différents, des cultures différentes. Et même par nature, vous savez que par nature, plusieurs euh, vices s'attachent à nous. Oui mes frères, par nature, les hommes sont... Ont un, des instincts égoïstes, ça c'est par nature. On est égoïste. Moi, d'abord moi, à moi de manger, d'abord. des instincts égoïstes. On a des aiguillons de la sensualité. C'est à nous. On a des impulsions, de l'ambition même des aspirations à dominer autrui. On voit cela même chez les disciples. Qui est le plus grand parmi nous Qui est le plus grand Course au pouvoir, course au titre. C'est dans notre nature des aspirations à dominer les autres et nous avons des prétentions de toutes sortes. Mais est-ce que c'est possible de développer et de bien développer la vie communautaire Est-ce possible de développer la communion fraternelle, de nous parler sans problème, de nous visiter sans problème, de nous entraîner sans problème. est-ce possible? ça peut être possible, mes frères, si nous appliquons des principes bibliques. si nous appliquons ces principes, eh bien, la vie communautaire peut être possible. colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous. C'est dans les quatre communautaires. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On voit que l'on peut se plaindre de l'autre. On se plaint de la soeur, du frère, se plaindre, c'est exprimer son désagrément, son mécontentement. Je suis de quelqu'un, de quelque chose, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça peut arriver que l'on puisse se plaindre. On se plaint. Se plaindre, c'est de quelqu'un, c'est lui reprocher son attitude. Mauvaise attitude. Bonne parole, mauvaise parole. On se plaint, on peut se plaindre, mais qu'est-ce que la Bible nous recommande Au lieu de nous plaindre, nous devons nous supporter. Supporter, c'est subir, c'est éprouver les conséquences pénibles d'une action sans faiblir. Supporter, c'est tolérer. Tolérer, tolérer. C'est vrai que pour certains, Des gens qui peuvent facilement tenir des propos désobligeants. Mais pour eux, ça ne blesse personne. Pendant que les autres sont blessés. Mais lui, ne laissez pas. Ou il n'en est pas conscient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se plaindre? Paul dit, il faut tolérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut tolérer, la tolérance. On, subit, on éprouve les conséquences pénibles d'une action, mais sans faiblir. Ce n'est pas facile... Mais Dieu peut nous aider. Vous êtes avec moi Qu'est-ce qu'il faut supporter Les défauts, les infirmités des autres. Romains 15.1, peut supporter leurs défauts, leurs infirmités. Plus vous, vous approchez de quelqu'un, plus vous pouvez aussi voir ses défauts, ses infirmités. Mais la Bible dit, nous devons nous supporter. Qu'est-ce qu'il faut supporter Les fautes des autres envers soi le faux des autres, envers soi. On supporte. Que Dieu nous donne ses cœurs qui supportent. Même dans le couple, il y a des problèmes, mais on se supporte. On tolère, on tolère. Sinon, vous savez que la vie du couple est quand même difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on, on se supporte. C'est facile lorsqu'on sait se supporter. Lorsqu'on sait tolérer les défauts, les infirmités de l'autre les fautes des autres envers soi, les injures, les attaques et les torts dont on peut être l'objet de la part des autres. On peut nous, nous injurier, mes frères. Nous attaquer à tort. Mais si nous voulons avoir une bonne vie communautaire, nous devons apprendre à faire quoi à? à supporter, à supporter. Parole de vie dit ceci, non, la parole vivante dit, si vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous trouvez à critiquer, au lieu de critiquer, vous portez, vous supportez. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner votre tort. Je pardonne avant même qu'il ne vienne me demander pardon. Moi, je pardonne. Vous voyez, ça favorise un climat de paix. Un climat d'amour. Parce que les Christ a été les premiers à nous pardonner. Nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Vous êtes avec moi Important. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Supporter, supporter. 1 Thessaloniciens 5,14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus. Consoler, supporter les faibles, user des patiences envers tous. Amen. Intéressant. Supporter les faibles, consoler ceux qui sont abattus. Bref, la communion fraternelle, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous faire du bien. Le premier chrétien vivent dans la communion fraternelle ils se considèrent comme des frères communion fraternelle on se parle on se voit on s'entraide on voit les premiers chrétiens qui vont même commencer à s'entraider ils vont rompre le pain dans les maisons parce qu'on doit se visiter ils vont s'entraider ils ne vont pas supporter que l'un des membres des délégués de, de ne soit dans le besoin. On fait tout pour l'aider. Développons, mes frères, la communion fraternelle et Dieu nous bénira. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière?